Bonjour, je m'appelle Arnaud Lallemand, je suis restaurateur en Champagne, à l'assiette champenoise. Aujourd'hui, on va travailler les petits coquillages de Bretagne parce que c'est ce qui se marie super bien avec le champagne. Le beurre, un peu d'huile d'olive. Là, on va rajouter les échalotes qu'on a ciselées très fin. Donc, on va faire revenir nos coquillages. Donc là, j'ai prévu des coques, des praires, des bulots. On va rajouter le vin blanc dedans pour qu'il puisse vraiment finir de s'ouvrir. On ferme. Là, on va les laisser cuire pendant quelques minutes. On filtre le jus. C'est une petite astuce de garder à chaque fois le jus de coquillage de la dernière fois pour en remettre un petit peu dedans et tout, pour vraiment corser son côté iodé. On va rajouter la feuille de poivrier dedans. On va les laisser confire un petit peu. Et là, on va ramener des oignons qu'on aura cuits auparavant avec un petit bouillon de jus de pomme. On met les oignons dedans et notre plat est fini. Parfait. Là maintenant, on va commencer à dresser avec tous les petits oignons et les coquillages. Regardez comme ils sont bien moelleux, les coquillages. Et maintenant, je vais mettre le jus. Quelques feuilles de mouron des oiseaux et d'oxalis. Maintenant, ce plat de tous les jours, on va lui rajouter une touche. On va lui mettre quelques grains de caviar. Une fois le plat fini, vous allez voir la dégustation. Il va se marier avec différents champagnes. Avec l'iode du coquillage, avec le côté épicé de la feuille de poivrier, avec le côté acidulé de l'oignon, avec l'amertume qu'on a en fin de bouche sur l'oignon. Tout ça va super bien se marier avec un champagne qu'on va choisir pour ce plat-là.